Ça a changé que grâce à l'affichage en braille, je peux voir l'heure immédiatement. Par exemple, si je dois aller prendre un train ou j'ai un rendez-vous où je dois être ponctuel, je peux directement voir qui m'appelle, qui m'envoie un message, sélectionner si c'est important ou si ça peut attendre. Donc c'est très rapide. Un coup de doigt, si on peut dire ça comme ça, et j'ai tout de suite l'information. Je peux voir toutes les notifications que je reçois, que ce soit des emails, des appels, des notifications WhatsApp, et ensuite toutes les applications qui m'envoient des messages, comme Netflix, qui m'informent des nouveautés. Avant, j'utilisais mon téléphone portable, mais que je devais sortir de mon sac pour entendre dans mes écouteurs. Il existe aussi des montres parlantes, mais qui sont moins discrètes, ça nous dit que l'heure. Pas les notifications et tout ce genre de détails. Déjà, c'est beaucoup plus discret, personne ne sait ce que vous êtes en train de faire, voit le message que vous avez reçu. C'est aussi beaucoup plus rapide. Dans un environnement bruyant, par exemple, j'entendrai pas ce que dit ma montre ou mon téléphone et je devrais le coller à mon oreille, alors que là, on passe le doigt dessus et tout de suite, on sait ce qui se passe. Ce qui n'est pas encore possible à l'heure actuelle, j'aimerais beaucoup pouvoir l'utiliser pour le sport, un jour peut-être, comme podomètre par exemple. Je cherchais un produit atypique à faire venir en Suisse qui ait une réelle valeur ajoutée. Et en découvrant cette montre et en me renseignant un petit peu sur ce qu'elle faisait, sur quelles étaient ses capacités, je me suis dit tiens, ça serait quelque chose à faire venir ici. Ils sont en plein développement, donc ça fait quelques années maintenant qu'ils commencent à développer ce produit. Ils ont deux produits différents, donc la montre, plus encore une table de braille qui est en prototype actuellement. Et ils sont très actifs en France, ils commencent à être actifs en Allemagne, et ils cherchaient quelqu'un en Suisse. Et du coup, ma demande est tombée au bon moment, donc nous sommes en discussion quasiment tous les 2-3 jours, et ça va très très bien. Et je me réjouis de voir la suite. La vente, c'est très compliqué. La Suisse compte un marché, enfin un nombre de 320 000 personnes malvoyantes. Par contre, sur ces 320 000 personnes, bien 80% de ces personnes commencent à avoir une dégénérescence visuelle, donc ne s'inquiètent pas forcément de ce qui va se passer après. Ou ce sont des personnes âgées qui se disent, ben voilà, je prends des lunettes, ça va très très bien et ça fait partie du cycle de la vie. Donc l'estimation grossière que je pourrais avoir pour ce type de montre serait de 5 000 à 20 000 pièces. Grosso modo sur les 2 prochaines années à venir. Jonathan Pfister. Merci.